à toutes et tous. Donc, bienvenue dans ce question-réponse de cette semaine. Alors, aujourd'hui, le but, c'est un petit peu de vous préparer à l'interro, de répondre à vos questions par rapport au petit quiz de demain, et éventuellement poser des questions par rapport à la matière de la semaine passée. Donc, je vais expliquer peut-être un petit peu ce qui concerne l'interro, comment ça va se dérouler. Ah, on ne m'entend pas. Normalement, on doit m'entendre. Est-ce que mon micro est coupé? Ok, je vérifie ça. Pourtant, moi, il m'indique qu'il fonctionne. Alors pourquoi? Ah, le son est très bas. Peut-être si je rapproche mon micro, ça c'est mieux. Est-ce que le volume est meilleur? On n'entend toujours pas mieux. Ok. On va régler ça. Voilà, voilà. Ok, okay, c'est beaucoup mieux, vous dites. Donc normalement là, tous les micros sont bons. Voilà, j'ai mis mon micro plus devant moi. Donc pour demain, ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir un lien pour le quiz. Donc je vais communiquer le lien via Moodle et via via Teams. Ensuite, donc ça se passera à 16h. Et donc à 16h, vous allez recevoir un lien. Donc vous arrivez, il y aura un premier exercice. Un exercice qui est un exercice introductif qui ne sert à rien d'autre que vous générez votre projet. Et ce projet va contenir deux questions d'implémentation. Donc vous allez télécharger ce projet IntelliJ et il va contenir deux classes Java avec des choses à faire dans ces classes Java. Ah, il y a un écho. J'essaie de résoudre le petit problème de son. Est-ce que le problème d'écho est résolu, Florian? Ou est-ce que... Non, c'est pas mieux l'écho? Toujours un problème d'écho? C'est pire? Ah non, c'est nickel. Bon, c'est pas parfait pour tout le monde, je ne sais pas pourquoi. Donc... Toujours pas? Vous pouvez me donner plus de détails sur ce qui pourrait être le problème? Attendez, je vois ici plusieurs micros. Peut-être que j'ai une idée. Mon ami, là, je dois mettre disable. Voilà, disable, disable. On va retenter autre chose. Ok. Ça c'est mieux. Comme ça, c'est mieux. Toujours pas? Non, c'est pas mieux. Ok, parfait, on dit. Donc, vous allez recevoir un lien vers un site Ingenious. Vous allez cliquer sur la première tâche et la première tâche va vous générer un lien vers un projet IntelliJ que vous allez télécharger. Ce projet contiendra deux questions. Deux questions et un fichier Java par question. Alors, vous répondez dans ce fichier, et comme d'habitude, il y a le petit test unitaire qui correspond, qui sera aussi disponible. Vous pouvez exécuter votre petit test, et puis quand vous avez résolu votre problème, bien, vous pouvez soumettre votre question. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir la solution parfaite, même si c'est une solution qui n'est pas parfaite, vous pouvez soumettre. Parfois, ça peut déjà rapporter des points. OK. Et vous soumettez l'ensemble de la classe. Donc en gros, vous prenez votre classe où il y avait la question, vous faites CTRL A, CTRL C, puis CTRL V dans Ingenious. Vous collez complètement toute la classe, y compris les imports. Y compris les imports. Alors il faut bien sûr répondre à la question dans le sens où la réponse doit être correcte. Mais il y a aussi une indication parfois sur la complexité temporelle de l'algorithme que vous devez implémenter dans le cas d'un algorithme. Et donc, si je demande un algorithme en O2n et vous faites quelque chose en O2n carré, ben vous risquez de ne pas avoir les points. Ok? Donc, il vaut mieux le faire. Les points sont donnés à titre purement indicatif,
informatif, okay, pour savoir si vous êtes dans le bon. Ça ne nous empêche pas de rajouter des tests par la suite. Alors, comme d'habitude, la collaboration est strictement interdite, le plagiat est strictement interdit, et vous n'avez évidemment pas le droit de vous faire aider pour faire votre examen. J'espère que tout ça est fort clair. Les risques que vous encourez, si vous le faites, sont fort importants, vu que c'est une activité évaluée, ce sera considéré comme de la triche un examen, et donc le président du jury pourrait en être informé. Donc, on recommande vraiment de ne pas essayer de détourner les règles de l'examen. Est-ce qu'on peut importer ce que l'on veut dans les questions? Alors oui, sauf si c'est indiqué autrement, sinon vous pouvez importer ce que vous voulez. Généralement, vous pouvez importer donc des fichiers de Java, comme Java Util ou des choses comme ça. Il faut tout implémenter dans la même classe. Vu qu'on ne peut faire qu'un copier-coller dans la classe, il faut tout implémenter, en tout cas dans le même fichier Java, c'est ça que je veux dire, dans le même fichier Java qui sera compilé en une fois. Ok? Donc ça, c'est la règle. Il ne faut pas commencer à faire des autres packages ou des autres fichiers Java, tout dans le même fichier Java. Donc je vais en reparler un petit peu pour la préparation aujourd'hui à ce quiz et rappeler quelques détails élémentaires pour bien réussir ce quiz. Au niveau de ce qui est permis de consulter, vous n'avez pas le droit de consulter autre chose que l'API Java sur Internet. Ok? Vous pouvez consulter l'API Java sur Internet, mais c'est tout. Donc, vous ne pouvez pas aller chercher des solutions sur Internet si vous trouvez, par exemple, des exercices similaires ou autres. Ça, vous n'avez pas le droit de faire de copier-coller qui vient d'Internet autre que la documentation de Java elle-même. Vous avez accès à aux slides du cours et aux vidéos. Et vos exercices précédents que vous avez déjà réalisés sur Ingenious éventuellement. Ok, mais même si je ne suis pas certain que ça vous aidera d'avoir accès aux exercices Ingenious. Donc ça, c'est tout ce dont vous avez besoin pour réussir l'examen. Alors, est-ce qu'il y a des vidéos à regarder cette semaine? Non, il n'y a pas d'autres vidéos à regarder cette semaine. Ok, donc ça répond à la question. Normalement. Alors, comme il faut tout implémenter dans la même classe Java, je pense que c'est peut-être un utile que je vous rappelle un petit peu comment on fait pour implémenter plusieurs classes dans un même fichier Java. Ok? Donc c'est ce qu'on appelle les classes internes. Ok? Donc si vous avez une classe ici, par exemple Public Inner Class. Ok? Vous pouvez créer des classes dans ce même fichier Java à au moins deux endroits différents. D'abord, vous pouvez la faire ici. Public Class. Mais on ne peut pas mettre public dans ce cas-là, donc on va mettre classe, other class, je vais l'appeler autre classe. Et là, vous pouvez déclarer une autre classe. OK? Et à l'intérieur, ben vous pouvez, par exemple, ici, si j'ai une public static void, voilà, je peux sans problème créer des instances de cette autre classe où je le souhaite. OK? Ça, c'est une manière de faire. Donc vous faites vraiment votre classe ici en dehors, et puis vous pouvez l'appeler à l'intérieur, etc. Une autre manière de faire, c'est ce qu'on appelle les inner classes. Vous pouvez la faire ici à l'intérieur. Vais l'appeler inner, vu qu'on est déjà dans une classe qui s'appelle inner class. Voilà. Et là, vous avez fait une petite classe à l'interne. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux choses-là, entre la outer class et la inner class? La grosse différence entre ces deux manières de faire, c'est ceci. Je vais faire un petit constructeur pour vous montrer. Public inner class. Là, je vais mettre un constructeur. Avec une petite variable d'instance ici. La grosse différence, c'est que cette classe-ci que vous avez ici à l'intérieur, en fait, elle contient une référence implicitement vers la classe extérieure. OK? Et donc, chaque instance que vous pourriez créer ici, par exemple ici, je vais faire. Voilà. Cette instance-là que j'ai, en fait, elle est contenue, si vous voulez, dans l'instance elle-même this de cette
classe-ci. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'à l'intérieur ici, je peux aller référencer la variable v par exemple. Je peux mettre par exemple print. Donc, je vais mettre une petite méthode ici. Faisons une toString. Okay, donc pour rappel, toString c'est la représentation en string. Donc je fais par exemple je retourne la valeur v qui est ici, qui est en fait une variable qui appartient à la classe innerClass. Okay. Donc, vous voyez qu'ici, voilà. Donc, si je fais ceci et je fais sOutInner, j'ai accès à la variable v. Okay. Donc, si dans une méthode main, je fais new innerClass avec la variable 6. Je vais rentrer dans le constructeur ici, et puis je vais afficher inner, qui est celle-ci. Je vais afficher la méthode toString, et vous voyez que le v ici, c'est le v de ma classe ici, qui contient la inner class. Okay? Et donc j'ai vraiment un mapping de cette classe, okay, qui est vraiment contenu dans la classe extérieure. Mais j'ai à chaque fois que je vais créer un nouvel objet, je vais avoir une instance différente de cette classe qui est interne, mais elle est possédée par l'instance de la classe externe. Okay, c'est ça qui a. Elle ne vit pas sa vie indépendamment de l'instance de la classe externe. Elle est vraiment possédée par la classe externe. A l'inverse, ce que j'aurais pu faire, c'est une inner static class, comme ceci. Et ça, c'est un peu différent. Ça, c'est un petit peu static class. Elle ne vit pas. Voilà. Je vais appeler inner static class. Statique. Ou celle-là, on aurait pu l'appeler non-statique. Comme ça, on aurait mis. Faisons ça. Je sais faire rename. Ouais. Rename, on va l'appeler non-statique inner class. Voilà, et celle-là, on va l'appeler outer class. Vous voyez qu'ici, maintenant, ma variable v, elle est rouge. Parce que ma classe est statique. Ça veut dire que c'est une classe qui existe indépendamment de ma classe. C'est un petit peu comme si je l'avais créée en dehors. Okay, donc, je ne peux pas accéder à la variable v ici. Okay, parce que la variable v ici, qui est une variable d'instance, n'a de sens que dans le contexte d'une instance. Donc, c'est-à-dire d'une classe instanciée de cette classe externe. Or, ici, comme c'est une classe statique, je ne peux pas ici référencer une variable d'instance. Dans un contexte statique. Okay, donc c'est ça que vous allez voir dans le message d'erreur ici. Voilà, il ne veut pas parce que la variable n'est pas statique. Par contre, si ma variable v avait été statique, oui, bien sûr, ça je peux faire. Okay, mais là, comme c'est pas statique, je ne peux pas le faire. Donc ça, c'est un petit peu les trois différences. Okay, vous avez la classe externe qui n'est pas statique. Et en fait, ceci, la outer class, c'est un petit peu comme si c'était la static inner class. Okay, elle vit sa vie indépendamment de l'instance de la classe externe. C'est ça la grosse différence. Okay. Donc, lorsque vous voulez faire un itérateur à l'intérieur d'une classe et que vous voulez référencer une variable, par exemple dans une enchaînée, une variable de la classe externe, ben alors vous faites une non statique. Quoi. Okay. Ça vous permet d'accéder par exemple au pointeur vers le first d'une enchaînée, puis de commencer à implémenter l'itérateur. Je regarde un peu les questions. Y aura-t-il encore des problèmes avec le traitement de nos programmes sur un Genius, j'imagine, où vous avez fait le nécessaire pour fluidifier les demandes? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, François? Qu'est-ce que vous voulez dire par fluidifier les demandes? Non. Donc si vous pouviez préciser votre question, je ne la comprends pas bien. Donc alors l'autre question, donc c'est une classe qui a comme variable d'instance une autre classe. Ouais, c'est assez bien expliqué en fait ça. Donc c'est exactement ça. C'est un peu comme si vous aviez une variable d'instance qui est la classe externe, quoi, si vous voulez, qui contient la inner class. Ah, l'année passée, vous avez eu des problèmes avec des soumissions très lentes. Écoutez, on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien sur Genius. Donc les responsables de l'infrastructure sont prévenus qu'il y a une interrogation. Normalement, les tests ne sont pas des tests trop lourds. J'espère, croisons les doigts, qu'il n'y aura pas de problème. Okay.
Dans tous les cas, si vous avez des problèmes, moi je serai sur Teams. Et donc le meilleur moyen, c'est de me contacter via Teams. Ok? Pour tout problème technique lié à Ingenious ou pour me faire part des problèmes. Parce qu'une fois que vous avez un problème, une fois que l'examen est passé, c'est trop tard. Donc il faudra me faire part des problèmes via Teams en direct. Donc static inner class et outer class sont-elles complètement équivalentes? Non, il y a des petites différences dans le sens où vous pourriez accéder à des variables privées statiques, par exemple, à l'intérieur de la inner class. Donc j'imagine par exemple que si vous avez private. Voilà. Ici, vous pouvez accéder à celle-ci, alors que ici, vous ne pouvez probablement pas le faire. Voilà. Vous voyez, là, il ne la connaît pas. Ok, donc ça, c'est une différence quand même. C'est que là, quand vous êtes dans une inner class, vous avez accès aux variables privées de la classe externe qui contient la inner class, qu'elle soit statique ou non. Alors, je continue les questions. Que se passe-t-il si on met statique devant V? Quelle est la différence? Bon, ben là, je viens de le faire. Okay. Donc, dans ce cas-là, la variable est statique, c'est-à-dire que c'est une variable qui existe indépendamment de l'instanciation des classes. Le test se passe à quelle heure? À 16h. Demain à 16h. Donc, comme c'est écrit dans ADE, c'est-à-dire votre horaire. Okay? Donc, je rappelle que c'est un test qui ne compte que s'il fait remonter votre moyenne. Donc, il ne sera dans tous les cas pas pénalisant. Mais c'est une excellente idée de le faire parce que dans ce cas-là, il comptera favorablement à votre évaluation du cours. Okay, mais ce premier test n'est pas pénalisant, c'est-à-dire que ne pas le passer ne va pas vous pénaliser si vous réussissez bien votre examen. Okay. Mais bon, sachant qu'un examen comme celui-ci n'est pas toujours évident et que ça peut être un peu binaire si on n'est pas en forme, l'évaluation par rapport à Ingenious, c'est une bonne idée de multiplier la collection des points et la collection des évaluations pour avoir une évaluation qui est la plus représentative possible de votre niveau, okay, et aussi pour être à jour dans la matière. Pourquoi ne devons-nous pas faire un getter pour utiliser la variable privée V? En fait, ici, oui, elle est rouge, donc ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Donc, dans ce cas-là, dans la outer class, vous devriez faire un getter. Mais c'est ça le principe d'une inner class, c'est qu'elle a accès aux variables privées également. Okay? C'est ça vraiment l'intérêt d'une inner class. C'est de faire une classe. Et donc, par exemple, de stocker un état propre à chaque fois, donc par exemple, typiquement pour faire un itérateur, et de néanmoins avoir accès aux variables privées sans passer par un getter ou un setter qui nous forcerait à exposer cette variable privée aussi à l'extérieur. Okay? Donc, on a le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on peut avoir un nouvel état et créer des objets avec des états qui peuvent s'initialiser sur base des variables d'instance privées de la classe extérieure. Alors, c'est le private ou le statique qui rend V inaccessible? Alors, dans ce cas-ci, c'est le private qui le rend inaccessible. Donc, si je retire le private, là, il n'y a pas de problème pour accéder à la variable inner classes. Si je fais ça. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Par contre, si je le mets en private, ça ne passe pas, voyez? Alors que s'il n'est pas en private, là je peux le faire. Donc c'était ici le private qui m'empêchait de le faire depuis la outer class. Ok. Donc la inner class, quasiment dans tous les exercices de demain, vous aurez besoin de inner class ou de outer class, c'est comme vous voulez, mais vous aurez besoin de ce mécanisme de créer une classe à l'intérieur, une autre classe à l'intérieur du fichier Java. Ok, ça ce sera nécessaire demain pour répondre quasiment à toutes les questions. Donc vous aurez des questions typiquement sur l'implémentation d'une petite structure de données, la manipulation d'une liste chaînée ou une petite modification d'une structure que nous avons vue en cours, ou un petit algorithme à faire, un petit algorithme du type manipulation de liste chaînée. Ok, inverser des listes et ce genre de choses-là. Donc ça, c'est pour le quiz demain. Normalement, il ne devrait pas y avoir de grandes surprises. Si vous avez bien fait les exercices sur Ingenious, ce sera vraiment du même niveau que les exercices sur Ingenious.
Ah, vous aimeriez bien un autre exercice pour vous entraîner? Je peux vous mettre un exercice pour vous entraîner si ça vous intéresse. Je peux vous mettre l'examen de l'année passée, par exemple. L'examen de l'année passée, l'énoncé prend est plus important que ce que vous aurez à faire demain, dans le sens où il prend plus de temps à comprendre. Mais une fois que vous l'avez compris, la difficulté au moins de la moitié de l'exercice de cet exercice-là est relativement similaire. Donc je peux vous le mettre sur Ingenious si ça vous intéresse. Est-ce que l'ordre des mots-clés a de l'importance? Non, vous pouvez mettre public statique ou statique public. Normalement, ça marche. Je pense. Si je fais ça, par exemple, pour la main, voilà, statique public, ça marche aussi. Bon, généralement, il vaut mieux être cohérent. Okay, donc moi, je fais toujours public statique void, mais dans ce cas-là. Et donc, dans le cas où on utilise où on implémente un itérateur dans la classe, mon itérateur est en fait une instance sous forme de classe de l'objet dans lequel j'itère. Exactement. L'itérateur, en fait, que vous allez retourner, donc quand vous demandez un itérateur, et que vous implémentez l'interface itérable, donc quelque part, vous allez, à chaque fois que vous demandez un itérateur, créer une nouvelle instance de votre sous-classe. Okay? Et cette nouvelle instance a aussi accès aux variables privées de la collection sur laquelle vous itérez. Ok? Donc c'est ça le but, exactement. Donc si vous regardez tous les exemples d'itérateurs que j'ai implémentés depuis le début du cours, c'est toujours ce principe-là qui est utilisé. Ok? On a une inner class et on instancie cette inner class. Je vais peut-être aussi, pour ne pas qu'il y ait de surprise, vous montrer quelque chose par rapport aux interfaces et ce que j'appelle les méthodes factory. Ok? C'est-à-dire que je vais par exemple demain vous poser. Vous proposez un exercice qui ressemble à ça. New Java Class. Alors je vais mettre example. Voilà. Yes. Donc j'ai par exemple ici une interface. Example. OK. Et j'ai cette interface, elle a une méthode. Faisons la méthode. Int add, c'est une méthode qui est censée additionner deux nombres. Ok, c'est une interface. Et moi, ce que je vous demande, c'est de implémenter cette interface et donc implémenter add. Seulement, vous allez devoir implémenter l'interface. Donc, vous ne savez pas exactement, vous n'avez pas la classe. Okay? Donc, une manière de faire, c'est, et je vais aussi vous demander ça, je vais faire public. Example, create example, voilà. Return nul. Et cette méthode-là est statique. Donc, demain, certains d'entre vous recevront un exercice de ce type-là. OK? Et donc, vous devez implémenter l'interface et retourner l'objet qui implémente cette interface. Alors ça s'appelle ce qu'on appelle une méthode factory. C'est-à-dire que c'est une méthode statique, elle est statique, elle ne sert qu'à créer des objets qui implémentent cette interface. Mais je ne vous donne pas l'implémentation d'interface, c'est à vous de le faire. Okay? Moi j'ai besoin de ça parce que je vais devoir instancier votre classe à vous, mais je ne vous la donne pas. Donc comment est-ce que vous allez faire? Ben, alors typiquement, vous allez faire une classe ici. Example impl. L'implémentation, vous dites, ça implémente example. Voilà. Mais si vous implémentez l'interface example, vous devez aussi implémenter le add. Et voilà. Et là, vous retournez A plus B. OK. Et dans ma factory, ce que je dois faire, c'est new example impl. Et voilà, j'ai fini mon exercice. Alors, pourquoi est-ce que... Ah oui, j'ai oublié le petit return. Et voilà, j'ai fini mon exercice. Vous voyez un petit peu? Ça, c'est vraiment des exercices du type que vous aurez demain. Sauf que ce sera un petit peu plus compliqué à faire que simplement l'addition.
Okay, donc je peux réexpliquer rapidement. Donc ce que vous recevez, vous, c'est ceci. Et vous devez tout compléter. Voilà. Donc vous devez implémenter cette interface et puis respecter la précondition. Et la précondition, bah, je vous la donne ici, la spécification de la méthode. Je vous donne une petite documentation et je vous dis ce que ça doit retourner. Ça doit retourner return A plus B. OK? Et donc sachant ça, vous devez implémenter cette interface. Et vous devez me retourner ici pour la petite méthode factory qui est en charge de créer des instances de votre classe. Vous devez retourner l'instance de votre classe. Mais donc il s'agit d'une interface qui implémente des méthodes directement. Alors non, l'interface ne contient aucune implémentation. OK? Si ce n'est évidemment l'implémentation d'une méthode statique. Mais ça, je peux faire. Je peux toujours implémenter une méthode statique. Mais le principe d'une interface, normalement, c'est que justement, je n'implémente pas les méthodes dans l'interface, les méthodes non statiques. Vous voyez qu'elle n'est pas implémentée ici. Elle sera implémentée en dehors. Elle sera implémentée dans ma classe que j'avais créée à l'extérieur. Et donc... OK, ça clarifie un petit peu, monsieur N, la situation. Oui, non. Oui. Donc voilà, ça c'est vraiment le genre de questions que vous aurez demain. Donc connaissez bien vos structures de données, vos algorithmes de... Vos algorithmes de tri, vos algorithmes de lit chaîné, les exemples de lit chaîné, sachez comment implémenter des itérateurs. Et si vous savez faire tout ça, normalement, il n'y aura pas de problème. Donc, deux questions. Si vous êtes complètement bloqué sur une des questions, pendant plus d'une, je vous conseille de ne pas consacrer plus d'une heure à une des questions. Okay, ça ne sert à rien de s'entêter sur une des questions. Si vous ne voyez pas du tout comment faire, passez à la seconde. Okay, normalement, c'est plus ou moins une heure par question. Ça peut être nettement moins. Donc la plupart des questions, on ne demande que quelques lignes d'implémentation, mais vraiment quelques lignes, ça peut être très 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 direct. Il y a un petit test unitaire qui vous est fourni, n'hésitez pas à en ajouter d'autres. Okay, n'hésitez pas à en ajouter d'autres si vous trouvez qu'il est trop simple ou qu'il ne teste pas assez votre code. Normalement, il est raisonnablement suffisamment bien fait ce petit test unitaire pour être suffisant en soi pour débugger votre programme. Je n'ai pas l'impression que ce sera vraiment nécessaire d'en implémenter beaucoup d'autres. Mais si vous voulez en implémenter beaucoup d'autres, vous pouvez le faire. En tout cas, derrière, sur Ingenious, il y a d'autres tests en plus qui tourneront avec des données aussi aléatoires. Alors, l'interface nous laisse libre d'implémenter comme on veut dans la classe qu'on crée. Oui, tout à fait. L'interface vous laisse libre d'implémenter comme vous le souhaitez. OK ? Donc, vous avez toujours la possibilité dans l'implémentation de votre classe d'ajouter autant de méthodes que vous voulez. OK ? Vous pouvez ajouter autant de méthodes que vous voulez. Tout ce qu'on vous demande, c'est de ne pas modifier la signature des méthodes existantes qu'on vous donne parce que celles-là, on les appelle dans les tests unitaires. Donc si vous modifiez la signature des méthodes existantes ou le comportement qu'on a déjà implémenté, il y aura un problème. Okay. Pourra-t-on revenir sur la Q1 si on l'a passé à la Q2? Oui, sans problème. Vous pouvez passer de la Q1 à la Q2 comme vous voulez. Le projet IntelliJ contient de toute façon les deux questions que vous devez implémenter. Alors, il y aura un grand panel de questions parmi lesquelles nous recevrons deux au hasard. Tout à fait, vous avez compris le principe. Tout le monde n'a pas la même question. OK, mais les niveaux de difficulté des questions sont les mêmes d'après ce que moi j'estime mon niveau de difficulté. OK, donc on a essayé de faire des questions homogènes, mais ce ne seront pas exactement les mêmes questions pour tous les étudiants. Les méthodes statiques peuvent donc être implémentées dans une interface. Oui, parce que en fait, une interface ne contient finalement... Oui, tout à fait. Donc, les méthodes statiques peuvent être implémentées dans une interface. Vous avez raison. Ouais, ouais. En fait, tout ce qui ne nécessite pas une instanciation de l'objet peut être implémenté. Alors, en fait, je ne vous ai pas complètement tout dit avec les interfaces. En Java, vous pouvez même implémenter certaines méthodes dans les interfaces. Mais pour faire simple, on va dire que les méthodes, pour le moment, pour faire simple, normalement, on n'implémente pas de méthodes non statiques dans les interfaces. Okay, c'est une fonctionnalité assez récente dans Java. Alors, si on a 100% sur Ingenious, cela veut dire que la question est complètement réussie ou y aura-t-il d'autres tests après? Non, il peut y avoir d'autres tests après. Et surtout, les aspects complexité temporelle sont un petit peu difficiles à calibrer sur Ingenious parce qu'on doit faire des mesures de temps.
Et donc là, si vous ne si vous ne respectez pas la complexité temporelle, c'est possible que sur Ingenious vous ayez 100%, mais qu'en fait, après, il s'avère que nos tests disent que la complexité n'est pas bonne. Okay? Donc dans ce cas-là, vous pouvez perdre des points a posteriori. C'est vraiment à titre indicatif les points sur Ingenious. Okay? Mais c'est quand même, on pense que c'est quand même important de les donner pour vous dire si vous êtes dans le bon ou pas, plutôt que de vous laisser complètement dans le flou. Alors, au niveau des cas particuliers, est-ce que c'est bon sur Ingenious? Normalement, on va pas rajouter, donc effectivement, sur les cas particuliers, on va pas faire le coup de rajouter des cas particuliers qui vont vous pénaliser et vous piéger par rapport à ce que vous avez déjà eu. Ça, ce serait, je pense, un peu vicieux de ma part de faire ça. Donc ça, je ne vais pas faire rajouter des cas spécifiques particuliers. S'il y a des tests de cas particuliers, ils seront déjà présents demain. Ok? Mon but n'est pas de vous piéger sur des cas particuliers en plus, a posteriori. C'est vraiment pour la complexité temporelle essentiellement qu'il pourrait y avoir des tests. Donc, d'après mes estimations, je vois qu'il y a une bonne moitié des étudiants qui font régulièrement les implémentations sur Genius. Donc, je pense que ces étudiants-là sont bien préparés pour réussir le quiz de demain. Okay, donc, ça sert à rien de paniquer. Comme d'habitude, vous ouvrez votre projet dans IntelliJ. Assurez-vous que ça fonctionne bien, qu'IntelliJ est bien configuré pour ne pas perdre de temps avec ça demain. Ok, que vous savez ouvrir. Donc, comme d'habitude, faites File, Open, et puis vous ouvrez le pom.xml et tout se passe bien. Vous pouvez expliquer parfois pourquoi on doit implémenter une interface et une classe abstraite pour une même classe. Ah oui, ça c'est pour ce qui est de la programmation orientée objet. Oui, tout à fait. Donc, je vais réexpliquer ça. En fait, vous pouvez implémenter plusieurs interfaces en Java, mais vous ne pouvez étendre qu'une seule classe. Ça, c'est la grosse règle. OK? À cause du problème, justement, ce qu'on appelle le diamant de la mort. Donc, le problème, si vous pouviez étendre plusieurs classes, c'est qu'il pourrait y avoir un clash. C'est-à-dire que vous étendez deux classes, mais les deux méthodes portant le même nom sont disponibles dans les deux classes que vous étendez. Et donc dans ce cas-là, Java ne sait pas laquelle des deux méthodes de la classe parent, vu qu'il y a deux parents dans ce cas-là, il doit exécuter. C'est ce qu'on appelle le problème du diamant de la mort. Et donc pour éviter cela, on a fait une contrainte en Java qui est on ne peut étendre qu'une seule classe. Par contre, étant donné que les interfaces ne contiennent pas d'implémentation, il n'y a aucun problème à implémenter plusieurs interfaces. Et c'est d'ailleurs très fréquent même dans l'API Java de voir des classes qui implémentent plusieurs interfaces. Ok? Donc je peux par exemple donner ici un exemple. Donc j'ai une méthode addition dans mon interface. Je vais ajouter une autre. Est-ce que je peux ajouter d'autres interfaces ici? À mon avis, oui. Voilà. Donc là, j'ai une interface addition. Puis je vais faire une interface soustraction. Avec minus. Et là, mon exemple va. Ça va être une classe, public classe. Elle va implémenter addition et subtraction. Voilà. Donc dans ce cas-là, vous devez implémenter le add. Oups. L'autre, c'est pas pourquoi. Ouais, voilà. Voilà, donc vous devez implémenter les deux. Et donc le contrat, si vous implémentez ces deux interfaces, c'est que vous devez donc implémenter les deux méthodes add et minus. Sauf si votre classe est abstraite, évidemment, parce que si votre classe était abstraite, cela vous sauve, vous n'êtes plus obligé d'implémenter toutes les méthodes. Mais si elle n'est pas abstraite, qu'elle est bien concrète, vous devez les implémenter.
Donc dans ce cas-là, regardez sur IntelliJ, seulement vous commencez par taper add et il sait que vous devez l'implémenter, donc il sait que c'est celle-là. Donc je mets add minus et voilà. Et là, j'ai un peu implémenté mes deux méthodes. Donc ça, c'est vraiment un exemple où j'implémente deux interfaces. OK? Par contre, si ça avait été des classes, j'aurais pas pu le faire deux fois. Ah, quelle est la différence entre extend et implement? Extend, vous allez en fait hériter de l'implémentation de votre classe parent. Donc vous allez pouvoir appeler des méthodes comme des méthodes super. Ok? Lorsque vous faites un extend, vous étendez une classe. Mais il y a déjà une implémentation de la classe parent qui existe. Une interface, il n'y a rien qui existe. Okay? Il n'y a rien qui existe. Vous ne pouvez pas appeler de super au milieu de l'interface. Okay? Une interface, il n'y a rien de plus abstrait que cela. Alors qu'une classe est déjà assez concret, puisqu'il peut y avoir des implémentations de méthodes. Et vous pouvez aussi avoir des variables d'instance. Alors, je lis les méthodes. Pourquoi on crée une classe dans une méthode? Ah, peut-on créer une classe dans une méthode? Non, ça, on ne peut pas faire. Enfin, je réponds un peu vite. Ok? Quand je dis qu'on ne peut pas faire créer une classe dans une méthode, on peut le faire, mais ça doit être une classe anonyme. Alors, on a vu des exemples de classes anonymes, hein, si vous vous souvenez ça. Donc je vais, okay, je vais vous montrer une classe anonyme à l'intérieur d'une méthode, comme ça sera concret. Plus static void main. Imaginons que j'ai ici un tableau. Donc je répète la question, c'est est-ce qu'on peut créer une classe à l'intérieur d'une méthode? Je vais vous montrer que oui, en fait, on peut créer une classe à l'intérieur d'une méthode, mais c'est une classe anonyme, c'est-à-dire qu'elle ne porte pas de nom. En tout cas, on peut créer une instance d'une classe ou on peut créer une classe qui implémente une interface à l'intérieur d'une méthode. Regardez à quoi ça ressemble. Imaginons que je veux les trier dans l'ordre décroissant, ces valeurs. Je vais faire ça. Je vais faire arrays, qui est dans une classe de la méthode Java utile, et je vais appeler sort. Je vais trier les valeurs. Et là, regardez, je vais donner un nouveau comparateur. Comparateur est une interface. Voilà, new comparator entre les entiers. Alors, normalement, voilà, et alors là, j'ai besoin de la méthode compareTo. Et je vais retirer, et je vais retourner O2 moins ou O1 moins O2, O2 moins O1, ça dépend si vous les triez dans l'ordre décroissant ou croissant. Alors, arrays cannot be applied to. Ouais, ok, ici ça doit être des integers. Voilà, et donc vous voyez qu'ici, je vous ai donné un petit exemple. Je suis à l'intérieur d'une méthode main et j'ai créé une nouvelle implémentation de l'interface comparator. Comparator est une interface. Donc si vous faites, vous connaissez ce raccourci, hein, si vous faites commande et puis vous cliquez sur la classe, vous pouvez vous obtenez comme un hyperlien, vous pouvez aller voir l'implémentation dans Java. Donc si je clique là-dessus, vous voyez que un comparator, c'est une interface. Ok, je peux vraiment voir, là j'ai juste une méthode compareTo. Et le reste, c'est la Java doc. Ah oui, j'ai aussi equal, c'est des choses comme ça. J'ai juste celle-là que je dois vraiment implémenter. Ok. Et donc là, dans mon interface, voilà, j'implémente mon interface et donc j'ai créé une instance d'une classe anonyme. C'est-à-dire que c'est mon implémentation de ma classe n'aura jamais qu'une seule instance parce que je l'ai créée au même moment que la définition. Ça, c'est ce qu'on appelle une classe anonyme. Ok, j'ai créé une classe anonyme et son implémentation unique en même temps. Donc ça, c'est pour votre exemple de peut-on implémenter une classe à l'intérieur d'une méthode? C'est le seul cas particulier. Vous pouvez faire ça. Alors, je continue à processer les questions une par une. Pouvez-vous réexpliquer pourquoi parfois on doit implémenter une interface, une classe abstraite pour une même classe? Bon, ça, j'ai réexpliqué, je pense. La différence entre extend et implement, oui, on s'en a fait. Est-ce que la différence entre comparable et comparator
actif, je suppose comparateur, et que avec comparable, on dit explicitement que les objets de ma classe sont comparables. Oui, tout à fait. Avec comparable, vous dites explicitement que les objets de votre classe sont comparables, et ce n'est pas la même chose que la délégation. Donc vous voyez que la semaine passée, j'ai parlé de la délégation. Ceci, c'est vraiment un exemple de délégation. Vous fournissez en argument de la méthode un objet dont la seule fonctionnalité est de comparer deux à deux les éléments. Okay, c'est ce qu'on appelle de la délégation. Et ça permet d'avoir un couplage plus faible et un design avec meilleur en fait. C'est meilleur que c'est plus facile et plus facile que. C'est plus modulaire en tout cas qu'utiliser comparable, si utiliser ces comparateurs. Okay? Parce que vous découplez la fonctionnalité de comparaison de votre classe. Est-ce que la différence. Oui. Le lien vers l'interro sera communiqué par mail. Oui, par Moodle et par Teams. A quelqu'un répondu. Peut-on importer ce qu'on a besoin? Oui, on peut importer ce qu'on a besoin. Ah, la différence entre int et integer. Ben, en fait, integer, c'est juste. Integer, c'est la version objet du int, si vous voulez. Le problème du int au début dans Java, c'est qu'il y avait seulement les int, il n'y avait pas integer. Et le problème avec ça, c'est que lorsqu'on a introduit les types génériques demandent un objet en argument. Donc, par exemple, si vous faites une liste, ici une liste de quelque chose, vous ne pouvez pas faire liste de int. Regardez, là par exemple, je vais créer une liste et je vais faire arrays. S-list, et puis là je fais 1, 2, 3. Je peux pas faire ça. Okay? Parce que ici mon type générique, il demande une classe. Or int c'est un type primitif. Et donc c'est pour ça qu'on a inventé le integer. Je vais l'appeler vals. Voilà. C'est simplement pour pouvoir avoir une représentation sous la forme d'objet. Ok? Des ints. Mais en fait, la conversion se fait vraiment de manière transparente. C'est-à-dire que même si vous avez un integer, vous pouvez après faire ceci. Get, et puis vous allez par exemple chercher celui à l'indice 0 de votre liste. Ok, vous voyez? Ça marche. Ok. J'ai peut-être quelque chose que j'aimerais, tant que je suis sur les listes ici, que j'aimerais communiquer avec vous. Si j'ai une liste comme ceci, une liste de taille, disons qu'elle a une grande taille, elle a une taille de n, okay? N element. Et je fais get au milieu, okay? Disons int m égale 10, et je fais get de m. Quelle est la complexité, à votre avis, pour aller récupérer ici l'élément à la position m? Quelle est la complexité temporelle pour faire ceci? Voyez le get de m. Quelle est la complexité sur une liste? Oui, c'est bien ça, c'est état de M. Okay. Pourquoi? Parce que c'est une liste. Donc normalement, pour une liste, vous devez aller ch chercher élément par élément. Okay. Vous devez aller commencer, si c'est une liste chaînée, premier élément, deuxième, troisième, etc., jusqu'à arriver à celui à la position M. Sauf dans certains cas. C'est-à-dire que certains me disent état de 1, et dans ce cas-ci, ils n'ont pas tort. Okay. Même si, à mon avis, ils n'ont pas été voir l'implémentation. En fait, si vous allez voir arrays.sList, list c'est une interface. Vous voyez, c'est une interface. Donc comme c'est une interface, je ne sais pas a priori comment elle est implémentée, cette interface. Okay? Mais quand je fais arrays.sList, ce qui se passe, c'est que c'est un ArrayList qui est créé. Et un ArrayList, il arrive à faire get de m en état de 1. Okay? Mais si jamais l'implémentation de la liste avait été une liste chaînée, dans ce cas-là, ça aurait été impossible à faire en haut de 1. Okay. Donc retenez que lorsque c'est une liste chaînée, c'est impossible d'aller chercher l'élément à une position arbitraire en haut de 1. Par contre, pour un ArrayList,
On peut le faire vu que derrière c'est un tableau et avec les tableaux on peut accéder à un élément à n'importe quel indice, n'importe quelle position en haut de 1 vu qu'on n'a pas besoin de parcourir tout ce tableau depuis la tête jusqu'à la position souhaitée. Ok? Donc tout ça pour dire que le get sur une liste chaînée, il faut quand même se méfier, ça peut prendre un temps linéaire. Ok? Et donc parfois lorsqu'on utilise des get, un algorithme qu'on pensait être en temps linéaire, en fait il est en temps quadratique. Okay. Si par exemple je vous demande d'inverser une liste chaînée et que c'est une linked list, okay, par exemple si j'avais fait ici, ça j'aurais pu faire. Voilà. Donc là je force à ce que ma collection soit une linked list. Dans ce cas-ci, le get, c'est certain qu'il sera en O de M. Okay, donc si vous voulez inverser votre liste, donc ce que j'essaie de faire c'est quelque chose comme ceci, et je vais utiliser le get de m pour inverser, ça va pas fonctionner en temps quadratique, ça va pas fonctionner en temps linéaire, ça va fonctionner en temps quadratique. Parce que vous allez inverser à chaque fois deux éléments, et chaque inversion va vous prendre O de n. Et donc comme vous avez n O de n inversion à faire, ça va faire O de n carré. Alors, est-ce que from Java util import veut dire que tout le package est importé? Alors non, c'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez tout importer dans le package, vous devez faire import, pas from, donc import java.util. Comme ceci. Voilà, ça importe tout. Mais en pratique, la question des imports, elle est réglée par IntelliJ. Okay? Donc à chaque fois que vous voulez utiliser quelque chose, par exemple une linked list, regardez, si elle n'y était pas, si l'import n'était pas fait, il souligne. Là, je fais contrôle espace, il me le propose, et lorsque je vais taper Enter, l'import se fait tout seul. Okay? Donc normalement, la gestion des imports, elle est très bien réglée par IntelliJ. Okay? Si vous utilisez l'autocomplétion d'IntelliJ, normalement, il n'y aura pas de problème pour les imports. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ou est-ce qu'on a fait le tour de la question pour demain? Donc, comme promis, je vais vous rajouter maintenant tout de suite une petite tâche sur Ingenious que vous pouvez encore faire si vous voulez vous préparer. Ok. Et c'est une question qui était proposée au mois d'août. Donc pour l'examen. Est-ce que linked list est une sous-classe de list dans Java? Alors non, c'est pas une sous-classe, vu que list est une interface, donc vous ne pouvez par définition pas être une sous-classe. Par contre, linked list implémente l'interface list, ça oui. Alors quelle est la différence entre list et linked list? Ben, linked list est une implémentation de l'interface de list. Mais il y en a d'autres. ArrayList aussi est une implémentation de la classe list, de l'interface list. Okay, donc linked list est une implémentation. Okay, vous avez linked list, mais vous avez aussi les ArrayList, qui sont deux implémentations. Pas d'autres questions? À quelle heure a lieu l'interro? Bah, toujours à la même heure qu'un peu plus tôt, comme on l'a dit plus tôt, à 16h10, à 16h, voilà, exactement. Demain à 16h. Ouais, information sur ADE, je confirme. Donc, certains d'entre vous sont des étudiants PEPS et donc auront droit, j'ai la liste des étudiants PEPS, auront droit à 30% du temps en plus. Mais je ne m'attends pas à ce que ce temps soit réellement utilisé. Okay? Normalement, c'est pas trop compliqué de pouvoir réaliser en temps et en heure cet examen. Y a-t-il un outil pour calculer notre complexité temporelle sur IntelliJ? Non, il n'y a pas d'outil en fait pour calculer la complexité temporelle sur IntelliJ. Et c'est même, je dirais, pas vraiment. Enfin, on peut l'estimer comme on l'a fait la fois passée, lorsqu'on fait varier la taille de l'input. Mais le mieux, c'est de vous en convaincre par raisonnement que votre complexité est la bonne. Ok? Les ordres de grandeur, c'est si vous donnez un input de taille 1000 et que ça répond
en quelques millisecondes, en quelques centaines de millisecondes, c'est OK. Si vous donnez un input de taille 1000, 2000, 3000 et que ça vous prend plusieurs secondes, c'est probablement que vous êtes en n carré. Peut-on utiliser compareTo sur les ints? Qu'est-ce que vous voulez dire par compareTo? Un comparateur? Alors, comparateur comparateur est une classe avec des paramètres, des types, et donc comme le comparateur, lui, va comparer des objets entre eux. Ok, donc des integers. Si vous regardez comparateur, je vais faire ici. Voilà. Vous voyez que c'est une classe paramétrée. C'est une interface paramétrée par un paramètre t, et t doit être une classe. Ok? Mais encore une fois, c'est aucun problème. On suffit de mettre integer et vous pouvez comparer des int entre eux. Okay, vu que les ints se transforment de manière naturelle, c'est ce qu'on appelle le boxing en integer. Oui, O1 moins O2. Okay, donc si l'élément courant est plus petit, vous devez retourner un nombre négatif avec le comparateur. Okay, donc ça, je ne sais jamais par cœur si c'est O1 moins O2 ou O2 moins O1. Vous essayez un puis l'autre et puis vous voyez si c'est bon. Normalement, si l'élément courant est plus petit, vous devez retourner un nombre négatif. C'est bien ça la spécification d'un comparateur. L'énoncé nous informera-t-il de la complexité attendue? Tout à fait, ce sera très clair. Donc ce sera dans l'énoncé. Si une méthode doit avoir une certaine complexité, elle sera annoncée dans la documentation de la méthode, de l'énoncé. Y aura-t-il qu'une entrée sur Genius pour copier-coller notre code? Oui, tout à fait. Il y a un seul champ texte. Ok, c'est un champ texte. Vous le copiez-collez et puis vous le mettez dedans. C'est ça, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ok, n'hésitez pas à soumettre de temps en temps sur Genius, même si ça ne, c'est pas complètement parfait. Ok, parce que au moins on peut voir un peu où vous en êtes et si vous avez au moins progressé dans votre exercice. Un dernier exemple de création et d'utilisation d'itérateurs pour le parcours de l'ichechène. Allez-vous regarder notre code si on n'a pas 100%? Ça peut arriver, ça peut arriver qu'on aille regarder le code, ouais, de certains étudiants. Oui, tout à fait. Et on va spécialement regarder le code lorsque on a des suspicions de problèmes avec des codes, ok, quels qu'ils soient. Donc par exemple, deux étudiants qui ont les codes identiquement les mêmes, ça c'est certain qu'on va lire votre code, oui, tout à fait. Ou déclarer l'itérateur et l'utiliser. Alors pour les exemples d'itérateurs, là je vous ramène vraiment au slide du cours. Donc j'ai donné pas mal d'exemples où on a implémenté un itérateur. Donc là je propose que vous alliez revoir les slides du cours. Ça sert à rien que je refasse la vidéo identique aux exemples que j'ai déjà montrés. Donc vous avez des exemples d'itérateurs pour quelques classes, pour quelques collections simples, des déchaînés, etc. Ok? Donc demain, il n'y aura qu'un énoncé, deux implémentations à faire. Alors demain, il y aura donc, vous aurez une liste. Imaginons que demain, il y a cinq questions au total. Vous recevez deux questions parmi ces cinq. Il n'y aura aucune ambiguïté sur quelles sont les questions que vous allez recevoir, vu que c'est votre projet IntelliJ qui contiendra ces questions. Okay, votre projet IntelliJ contiendra les deux questions. Et simplement, vous faites le copier-coller de votre réponse des classes dans la tâche de la classe correspondante. Okay? Alors, n'essayez pas d'aller mettre une réponse à une tâche qui ne vous a pas été attribuée, que vous ne devez pas implémenter, parce que ça, ce sera considéré comme très suspect. Okay? Vu que vous n'avez pas reçu l'énoncé, vous n'êtes pas censé essayer de répondre à une classe que quelqu'un d'autre aurait reçue. Ok, plus d'autres questions? N'oubliez pas votre débuggeur, hein, le débuggeur est votre ami. Pas de problème d'Ingenious avec l'engine qui tourne sur Ingenious du genre you modified. Ah, alors oui, si vous avez quelque chose du genre vous avez modifié une classe ou si vous avez un feedback que vous ne comprenez pas sur Genius, n'hésitez pas aussi à m'interpeller via Teams.
On va essayer de résoudre tous les problèmes en live via Teams. Donc, installez bien Teams. Et en cas de problème ou de blocage fort avec Ingenious ou quelque chose que vous ne comprenez vraiment pas, on peut regarder quel est le problème en live. Aura-t-on des exercices? Aura-t-on tous les exercices une fois l'interro fini? Oui, vous aurez même les corrections de l'exercice. C'est-à-dire que je vais préparer une fois que l'interro est fini, une petite vidéo pour vous expliquer comment répondre à toutes les questions. Okay, comme ça, ce sera en plus une préparation pour l'examen pour ceux qui n'auraient pas eu la chance d'avoir réussi l'interro. Pas d'autres questions? Non. On est bon. Ok, ben parfait. Merci à toutes et tous. Bonne chance pour demain. Reposez-vous bien. C'est toujours mieux. Est-ce que les questions de demain seront du niveau de l'examen de janvier? Oui, c'est du niveau de l'examen de janvier, en tout cas pour la matière qui nous concerne ici. Tout à fait. Ce sera du niveau de l'examen de janvier. Ok? Et le but, comme on vous l'a dit, c'est aussi de vous reproposer un quiz du même type pour les modules 4, 5 et 6. Ils commenceront la semaine prochaine avec Ramin Sadré, un autre professeur. Et donc vous aurez aussi en dernière semaine de ce quadrimestre un autre petit quiz du même type. Et puis après, à l'examen, qui sera lui sur 3 heures, et vous aurez peut-être 3 ou 4 questions qui porteront sur toute la matière cette fois-ci. Ok? Mais le niveau à l'examen sera grosso modo le même que ce que vous verrez demain. Ok, il n'y a pas de raison que ce soit plus ou moins compliqué. Donc c'est demain, c'est un bon moyen de voir où vous en êtes par rapport à la matière, je dirais. Ok, ben je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et donc allez dormir tôt pour être en forme pour demain. Ok, parce que demain, ça va être 2 heures un peu plus intensives pour certains et certains. Des questions sont-elles plus compliquées que d'autres? Alors oui, vous avez, forcément, je pense que pas sur 500 personnes, certains vont me dire oui, mais celle-là, elle était plus facile que celle-là. Mais moi, je ne trouve pas. Donc si vous me dites ça, je vais vous dire non, moi, je ne trouve pas. J'ai essayé de faire des questions du même niveau, en tout cas, objectivement. Ok? Maintenant, c'est comme toujours, il se peut que... Sur plusieurs questions, il y en a qui trouvent que d'autres questions étaient plus faciles que d'autres, mais normalement ce n'est pas le cas. En tout cas, Ramin et moi, on a revu les questions ensemble et on estime que ce n'est pas le cas, que toutes les questions sont de la même difficulté. Donc dans les 2 questions que vous allez recevoir, il n'y en a pas une qui devrait être plus compliquée que l'autre. Alors comment se répartissent les points entre le quiz et l'examen? Alors là, c'est une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre. Combien vaudra le quiz exactement dans la partie de l'examen? On n'en sait rien. En tout cas, il comptera. Ok. Il pourrait compter quand même assez bien. Mais encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas réussi le quiz ou qui ne l'auraient pas fait, ça ne pénalisera pas leur note globale. Ok. Donc la formule sera quelque chose du type le maximum entre la note de l'examen et la note de l'examen plus le quiz, si vous voulez. Ou la note de l'examen et le quiz. Vous voyez, donc par exemple, imaginons, l'examen vaut sur 20 points. Donc ce sera le maximum entre votre note sur 20 à l'examen et votre note à l'examen sur 15 plus votre note sur 5 au quiz. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc de cette manière-là, vous êtes certain que ce quiz ne peut vous faire que remonter. Il ne va pas vous pénaliser. Ok, le but est de vous amener graduellement à être prêt pour le jour de l'examen. Okay. Et le but est aussi pour les étudiants qui n'ont pas envie de tout miser à l'examen, en faisant l'impasse complètement sur le quiz, ben, ceux qui veulent une évaluation plus continue pendant l'année, ceux-là ont la possibilité de se préparer sérieusement au quiz et donc de lisser plus leur évaluation sur le quadrimestre. Mais on préfère que tout soit possible pour les deux types d'étudiants et d'autres étudiants préfèrent
je pense pas que c'est une bonne idée, mais d'autres étudiants préfèrent faire un gros pic de travail en dernière minute pour tenter de réussir l'examen. Donc ceux-là non plus, on ne veut pas nécessairement les pénaliser. Mais pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Donc la bonne idée, ce serait de réussir le quiz, de lisser son évaluation et encore de réussir bien son examen. C'est comme ça que vous allez mettre toutes les chances de votre côté. Oui, 16h15. Alors oui, c'est 16h15 au lieu de 16h l'interro. Ok? Bon, généralement, c'est le genre de truc qu'on n'est pas à 15 minutes près. Mais préparez-vous pour 16h, ok? Et on lancera l'examen à 16h15. Ok? Mais soyez prêts à 16h dans les starting blocks. Ok? Donc, normalement, la prochaine fois que vous me voyez, c'est simplement sur les vidéos pour répondre à vos questions. C'est simplement sur les vidéos qui vont donner les solutions aux réponses. Donc, la semaine prochaine, jeudi prochain, vous aurez donc une séance avec Ramin Sadré. Et vous aurez aussi ces vidéos à écouter. Voilà. Donc, moi, je vous dis déjà au revoir. Bonne fin de quadrimestre à vous. Bonne chance à l'interro. Au revoir.